Eh bien bonjour à tous et à toutes, et ici Monsieur Toon de Toon Studio Pro. Aujourd'hui on se retrouve pour cette mise à jour de Magic Kingdom. Enfin, une petite mise à jour qui fait du bien. Il y a plein de trucs nouveaux dans cette mise à jour qu'on va découvrir ensemble. Du coup, les indestructibles ont besoin de votre aide. Terminez les cakes et... les cakes... Ça commence très bien cette vidéo, hein. Terminez les quêtes et vainquez... Vainquez ? Ça se dit, vainquez ? Et les robots de syndrome. Récupérez les devises indestructibles pour construire des attractions exclusives. Débloquez les indestructibles et affrontez l'Omnidrop de syndrome. Faites vite, disponible pour une durée limitée. Alors il faut savoir que c'est une petite mise à jour qui a été faite aujourd'hui seulement, qui est sur le thème des indestructibles. Vous pourrez donc faire la mise à jour dès à présent. On va regarder ça ensemble, du coup on va jouer. Et qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? Eh bien écoutez, je ne sais pas. Waouh, attendez, parce que là j'ai pas mal de trucs déjà à vous montrer. J'avais déjà quand même pas mal de choses qui se sont développées, étant donné que j'ai déjà la zone Tomorrowland qui a été ouverte, comme vous le voir. J'ai eu l'Orbitron, j'ai eu Buzz, j'ai eu le Pizza Planet, plein de trucs. J'ai aussi eu ça en dernier. C'est l'usine à gang, il me semble, de Bob. Ensuite, j'ai eu pas mal de trucs. Attendez, parce que j'ai tellement de choses à vous montrer. C'est magnifique. Aujourd'hui, cet épisode-là va être enrichissant. Du coup, excusez-moi. Et du coup, qu'est-ce qu'on a de bien alors, j'ai quoi d'autre? Parce que là, du coup, oui, j'ai débloqué des personnages. Ok, du coup, on a débloqué des personnages. On a Syndrome, ok. On peut débloquer ce syndrome, on peut même débloquer les personnages de... Ah oui, d'accord, mais... Ah ouais, d'accord, c'est spécial, ok. On peut, en fait, débloquer, du coup, les personnages de les indestructibles. D'accord, il y a des événements indestructibles, du coup. Ok, on retient pour débloquer les indestructibles. Il faut déjà débloquer des événements indestructibles, ok. Ça y est, ça vient de s'activer. Si le jeu n'est pas avec moi aussi, hein, on peut pas faire mieux. Ok. On a que 27 jours. Je vais me calmer. 27 jours. Et comment, du coup... Ouais, d'accord. Ok, comment on fait, du coup, pour avoir tout ça? Clac, 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 pour déverrouiller les complets, nananana, d'accord, ok, on le rend. D'accord, il y a plein de choses, hein. C'est vrai que ça... Ouh, pardon, j'ai tapé le micro dedans. Ok, il y a énormément de choses, c'est assez dingue. Ok, donc on a des petits trucs un peu comme on avait avec les médaillons dorés. Parce qu'il faut savoir que depuis quelques temps, le jeu fait beaucoup de mises à jour. Et justement, on a un petit jeu aussi. Enfin, un petit jeu. On a des petits, comment dire, des petites missions qui se rajoutent avec les mises à jour. Là, récemment, il y a des petits trucs, des médaillons à récupérer assez souvent. Ah, regardez! Ok. Syndrome arrive pour perturber le royaume, accueille tous les indestructibles, d'accord, ok. C'est vraiment cool, hein, ils ont vraiment changé l'aspect du jeu. Alors pourquoi les indestructibles, je sais pas trop. Ah, regardez, il y a un autre truc là. Ce bâtiment-là, il n'y était pas avant, aussi, hein. Je suis enchanté, là, il y a plein de choses nouvelles, je suis assez content. Je sais pas à quoi ça sert, ce bâtiment-là, mais à mon avis, il y aura une utilité par la suite, parce que c'est pas normal qu'il soit là comme ça. Et puis il a l'air beaucoup plus imposant que les autres, c'est assez étrange en fait. Je pense qu'il y aura peut-être moyen de faire quelque chose à l'avenir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc on a ça, ça on a vu déjà qu'on va, on va un petit peu vider l'émission, parce que là il y en a pas mal à sélectionner, là, c'est un peu le bordel dans mon parc. Ok, donc du coup, comme je vous l'avais dit, j'ai débloqué la zone Tomorrowland, donc j'ai débloqué quelques bâtiments, j'ai eu Bob Razowski et Daisy. Alors attendez, est-ce que le café de Daisy, du coup, il est là maintenant? Je l'ai installé là. J'ai Buzz l'éclair aussi, je sais pas si je l'avais avant, parce que ça fait quand même longtemps, hein, du coup, que j'avais pas les... je vais vous faire un petit tour. Hein. Ok, du coup, j'ai débloqué Daisy, ça on l'avait pas durant le dernier épisode. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Mickey, on l'avait déjà, ça c'est bon. Buzz, on l'avait pas, je crois. Ça, Buzz, j'en suis presque sûr, on l'avait pas. La bergère non plus, ah, si. Il me semble que si, la bergère on l'avait. Bayonne, on l'avait pas. Donc voilà, au moins vous le savez, j'ai Bayonne maintenant aussi. Et j'ai les soldats. Rex, je l'ai pas encore. Il demande pas mal
de petits éléments à rapporter. Du coup, qu'est-ce qu'on a dans la petite boutique? Ok, on a le banc. Profitons-en. Tu n'as pas cette devise. Ah, d'accord, il faut des devises. Ah oui, d'accord. La monnaie, en fait, a été entre autres remplacée provisoirement aussi par. Il y a des lampes Tron, mais putain, il y a plein de choses. Il y avait plein de choses. Ah! C'est génial ça, regardez. Le réacteur Dorso. Ça me fait penser en fait à l'attraction Orbitron qui se trouve à Disneyland de Shanghai. Je sais pas si c'est du tout. Enfin, je sais pas si c'est ça ou pas, mais ça y ressemble vaguement. On a aussi le cinéma de la lampe magique, ça c'est un nouveau truc aussi qui vient d'être mis dans la mise à jour. En tout cas, cette mise à jour finalement elle apporte pas mal de choses hein, quand on peut le voir, il y a pas mal de nouvelles choses. On a aussi le Cornez de Frozone qui n'y était pas. On a la lampe Tron qui n'y était pas non plus. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Décoration. On a le banc des indestructibles, l'hommage aux héroïnes, l'éclairage Mickey Tron qu'on n'avait pas non plus. Ils sont très branchés Tron, cet ancien chez Disney, je sais pas pourquoi. Pourtant, c'est pas quelque chose qui avait forcément plu au début, hein. Mais bon, que voulez-vous? C'est les Disney qui se renouvellent et qui reviennent aux sources. Finalement, c'est pas une mauvaise chose. Ok. Ça lagouille un peu ce jeu. Moi, ouais, c'est peut-être ce que je reproche le plus à ce jeu, c'est qu'il n'est pas forcément. Je sais pas si ça vient du niveau du développement du jeu ou pas, mais c'est vrai qu'il lag un peu. Pourtant, j'ai quand même un téléphone extrêmement performant. Et c'est quand même étrange qu'il bug un peu. Ouah, d'accord. Ok. Il y a plein de missions et tout. Plein, 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 plein. Écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se centraliser uniquement sur les missions des Indestructibles parce que c'est ce qui est quand même le plus important. Du coup, je vais vraiment me focaliser que sur ça. Et voilà. Hop. Allez, c'est parti. Produisez les petites toons. On va. J'ai vraiment. Parce que là, du coup, c'est un peu stressant parce que. C'est vraiment à durée limitée. Du coup, si je me dépêche pas et que je suis pas un peu en mode accro pendant quelques jours, et bah, on va activer une parade aussi. Alors, au niveau des parades, qu'est-ce que j'ai eu? Ah, d'accord, il y a un char aussi. Ah oui, mais il vaut vraiment le coup le char en fait. Hein. Oh! Il vaut énormément le coup. 1000. Il y a 1000 jetons indestructibles à gagner. C'est incomparable par rapport aux autres. Ah oui! En effet. J'hésite. Je pense que je vais me le prendre quand même, hein, parce que c'est quand même intéressant. Bon, ça coûte quand même 50 gemmes, mais finalement, c'est assez rentable dans le fond. Allez, on va tenter, parce que c'est vrai que ça fait un peu mal, mais finalement, ça vaut vraiment le coup. Et je pense que c'est étrange parce que, attendez, avant, on gagnait pas autant de. Je crois qu'ils ont fait une mise à jour aussi sur le nombre de récompenses qu'on pouvait gagner sur les chars, parce qu'avant on gagnait pas autant. Avant c'était sur les chars de réponse Wally et monstre Essie, c'était à peu près 500 potions par char qu'on gagnait. Et là maintenant c'est 1200, donc on est passé à un niveau beaucoup plus élevé. C'est plutôt cool parce que c'est vrai que ça faisait pas beaucoup 500 finalement, sachant qu'on payait 2500 la parade. Bon, au final on gagnait pas énormément. Voilà, c'est bon, on peut y aller. Cool! Et on découvre le char du coup indestructible aussi. Plein de nouveautés dans cet épisode, hein. C'est impressionnant. Du coup, Mickey a terminé sa mission. On a notre premier truc. Je sais pas comment on appelle ça du coup là. Ok, alors. Oh la barbe, une armée de créatures cliquetantes. Il faut vraiment qu'ils s'arrêtent avec les noms compliqués, hein. Les grisantes a commencé à infester notre royaume, nous pouvons nous laisser embêter, faites-moi plaisir de chasser les intrus. Ok. On a donc des robots à chasser maintenant. Hop, on chasse le robot. Ça c'est exactement le même principe que les balais. Si vous jouez au jeu, vous allez comprendre. Il y avait des petits balais de Fantasia qu'il fallait éliminer aussi dans le parc. Là c'est le même principe. Du coup, est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce qu'il y en a d'autres? Oh, il y en a plein là! On va les éliminer. Bourré! Faites-vous engloutir par les flammes de l'enfer! La violence est à son maximum. Pourquoi forcément à Tomorrowland il y en a autant comme ça? Je pense que ce n'est pas anodin. Il y a plein de trucs aujourd'hui, c'est dingue. Parce que généralement, quand je joue au jeu, bah, il n'y a pas grand chose. Et puis là, d'un coup, aujourd'hui,
C'est la fête. Accueillir Madame Indestructible. Ok, c'est parti. Allez, boum. Boum. on est trop déter. On est trop déter aujourd'hui. Ok, paf, 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 paf. En même temps, la parade, si elle me rapporte 1000 jetons indestructibles, vous imaginez la chose, comment ça va? Parce que là, j'ai que 50 et j'ai déjà débloqué Madame Indestructible. Et je me rends compte, en fait, finalement, que, bah... Ça va être extrêmement rapide. Si je terminais la parade, là, ça va être... boum. Boum. Ça va faire une explosion de jetons indestructibles, là. C'est super intéressant. Ok, du coup, la parade, elle finit dans combien de temps? Finir dans 1h57. Ok. Donc, celui on l'a pas encore. Donc ça, c'est pas très grave. Ok, donc déjà, je vais donner des missions à tous ceux qui n'ont pas de mission. Hein. Ça paraît logique tout de suite. Hop là. Alors, Bob, tu vas nous faire ça aussi. 3 minutes. C'est ce qui est assez bien, c'est que du coup, on récolte les jetons assez rapidement. Du coup, alors... Ah d'accord, on ne peut pas en fait, on ne peut pas tous les avoir en une journée, hein. Ça c'est bien précisé. Du coup aujourd'hui, ça c'est bon, on a Madame Indestructible, demain on aura Flèche, dans 3 jours plutôt du coup. J'avais prévu de faire, en fait c'est un peu étrange parce que normalement j'avais pas prévu de faire cette vidéo aujourd'hui parce que du coup j'avais pas prévu que la mise à jour sortirait aujourd'hui. Du coup le programme pour Magic Kingdom va être un peu plus chamboulé parce que du coup ça va dépendre finalement des missions un peu des indestructibles. Donc comme on peut le voir, dans 3 jours il y aura une nouvelle mission pour débloquer Flèche, après on aura Violette dans 10 jours et Monsieur Indestructible dans 17 jours. Après on a Frozone, bon lui c'est 180 gemmes, je sais pas trop comment on peut l'avoir autrement parce que c'est vrai que 180 gemmes c'est un peu chaud. Dans 3 minutes. On va attendre 3 minutes quand même, parce que pas très très long, hein, 3 minutes, qu'est-ce que c'est dans une vie? Et ensuite, on pourra s'arrêter là, écoutez. Je pense qu'on aura bien tout fait. Je pense que ça devrait être suffisant pour aujourd'hui. De toute façon, on a découvert pas mal de choses. J'essaie de voir si j'ai pas oublié d'autres trucs pour vous montrer. Si j'ai pas oublié, parce que finalement... Je ne pense pas que j'ai oublié d'autres choses. Il faut faire super attention parce que ça, l'astroport de Buzz l'éclair, hein, c'est quelque chose que vous avez gratuitement comme la fée Clochette. Alors c'est au bout du 30e jour, enfin la 30e partie. Donc il faut faire super attention parce que si vous n'êtes pas connecté le 30e jour, bah, vous perdez finalement l'occasion de le gagner. Donc ça sera un peu bête du coup. Hop. On gagne encore des médaillons. Du coup, je suis un peu perplexe, que c'est vraiment dans 3 jours seulement qu'on peut l'avoir, ou c'est vraiment dès que je débloque... Ouais, il me semble que c'est vraiment dans 3 jours on peut le débloquer, mais bah, aujourd'hui, par exemple, on pourra vraiment pas le débloquer. Donc ouais, en fait, finalement, ça reste assez simple. Ça reste assez simple. Du coup, quand on aura débloqué tous les personnages, on pourra battre Syndrome. Et ça va être, ma foi, fort intéressant. C'est dommage qu'ils ont, du coup, ils ont un petit peu viré la montgolfière Disney, là, qui était plutôt jolie. Tristesse, hashtag rip la montgolfière Disney, qui a été remplacée par un énorme bunker super héros. Yeah, c'est bon, on a Madame Indestructible du coup. Hop là, et voilà, c'est cool. Ok les toons, bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui je pense. On a fait le tour sur la dernière mise à jour. Et écoutez, on se retrouve du coup pour le prochain événement pour débloquer un nouveau personnage sur Magic Kingdom. Et merci de m'avoir suivi. On va juste lire un petit peu le texte du coup. J'imagine que Bob et les enfants ont filé pour s'amuser sans moi. Quelle surprise! Maman est bonne pour s'occuper du problème des robots, c'est ça? Eh bien, j'en connais 3 qui vont se charger de la lessive, des poubelles et de la tonte, de la pelouse de retour à la maison. Une chose à la fois, tout d'abord, je dois déterminer d'où viennent ces robots. Ok, donc Madame Indestructible, on va t'envoyer aller enquêter sur les robots. Et ben voilà, cette vidéo était extrêmement longue, je m'y attendais vraiment pas, bon pour moi en tout cas, la vidéo devait durer entre 3-4 minutes, finalement absolument pas. Du coup je vais un peu avancer de mon côté, je vais essayer d'avoir le maximum de, je sais pas comment on appelle ça du coup,
Comment on appelle ces petits trucs-là? Ouais, donc c'est vraiment ça. On aura flèche dans 3 jours et pas autrement. On appelle ça des. Alors, dans le classement, je suis au bois. Ah! Je suis 815e! Bon, bon. Ok, donc on peut avoir des statues, plein de trucs en fait. Ok. Ok, bon bah écoutez les toutes, merci de m'avoir suivi, c'était Monsieur Tout de Tout Suit au Prône. N'hésitez pas à faire la mise à jour, elle est disponible dès à présent. Et écoutez, bonne chance aussi dans votre récolte de missions des indestructibles, excusez-moi. Et on se retrouve dans le prochain épisode. Allez, portez-vous bien, ciao ciao!